Salut mes riders, malheureusement c'est fini le Supercross. Pour ceux qui aimaient ça, désolé, mais on va devoir attendre un an, devoir rouler que sur des campagnes avant de retrouver les SX 2018. Mais ça signifie la bonne nouvelle pour ceux qui adorent le MX, c'est que l'ouverture de la saison des Outdoors. On est donc parti pour tester ce premier round de Hankton en 125 en plus pour fêter l'occasion. Plusieurs raisons que j'ai pris la 125, c'est que déjà en fait, les Tragamas sont pas hyper compliqués en fait quand vous les connaissez et que vous avez pas mal roulé dessus. Vous avez à rouler vite parce que du coup vous trouvez vos traces, où ça prend bien, où il y a moins de trucs, etc. Mais le problème c'est que quand vous les connaissez pas énormément, comme là il vient de sortir, du coup je connais pas énormément, avec d'autres cylindres vous avez tendance à les rouler un peu trop fort et du coup vous chutez beaucoup. Après je dis pas que j'ai pas beaucoup chuté avec la 125, mais normalement je chute moins qu'avec la 450. Bon, on verra bien. Parce que du coup vous arrivez moins vite partout dans les ornières, vous pouvez plus gérer les freins moteurs, etc. Vous pouvez plus vous servir de la flexibilité du moteur de la 125, justement. Il faudrait bien que j'arrive à passer les jumps, ça serait cool. Forcément, ça manque un peu de vitesse pour certains sauts, mais bon. Normalement, ça passe largement, je le passe normalement ceux-là. Mais c'est ce que je disais, voilà. Donc pourquoi la 125? Parce que du coup, elle va moins vite, normalement, je devrais moins chuter avec. Elle est plus permissive du genre de track. Après, ce que j'adore sur les hamas que je vous ai souvent dit, c'est que les tracks, quand vous les connaissez après, avec votre cylindre, genre quand je la connaîtrai bien, 450, vous pouvez vraiment rouler fort dessus sans avoir un niveau de malade en fait. Ils sont déformés juste comme il faut, on sent qu'il y a vraiment en fait de l'expérience derrière la création de tous ces tracks à des Lucas Yule, des motocross, je dis Ama, mais c'est les Lucas Yule, je crois. C'est pas Ama qui organise ça. C'est particulier, de toute façon, c'est le championnat américain, hein, vous avez compris. Et hop là, et du coup, oui, on sent que bah, du coup, la déformation, c'est à peu près la même façon de rouler tous les ans dessus. Hein, c'est. Voilà, il faut bien jauger les freins moteurs, les trous de freinage, etc. Mais en soi, il n'y a rien d'hyper complexe. Oh, c'était limite mon passage. Ah, là, non. Il n'y a rien de, en fait, de très dur à rouler dessus. En fait, au premier abord, vous allez les trouver durs. Mais après avoir roulé une petite heure dessus, je dirais, bah, vous allez vous faire aux traces. Vous allez réussir à trouver des traces sympas. Vous allez voir, ah ouais, celle-là, ça passe mieux, il y a moins de trous, là, c'est sympa. Et finalement, vous allez vite enchaîner les tours sans chuter ou avoir très très peu de chutes. Et ça qui est sympa sur les Hamas, c'est que même si vous n'êtes pas à un bon niveau, vous pouvez rouler fort. Contrairement à d'autres, ou par exemple si je prends les MXS GP qui sont assez complexes quand même, bah là ils sont, on sent quand même qu'il y a moins d'expérience derrière la création du track et que pas qu'ils soient mal faits ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'est plus dur à rouler dessus en fait. Ils sont, y a plus de surprises. Alors que là vous n'avez pas de mauvaise surprise quoi, et c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'adore les Hamas, justement, parce que c'est pas complexe à rouler dessus. En général, vitesse. En général, les exacerbateurs, vous pouvez prendre pratiquement à fond. Les intérieurs, souvent il y a des gros trous, donc si vous voulez éviter les trous, les extérieurs. Enfin, un petit truc comme ça, en fait, que vous remarquez que c'est pareil sur tous les hamas. Donc c'est pour ça que c'est assez simple à rouler dessus. Hop, et puis l'arrivée juste à toute façon, hein, le tracé est grosso modo le même que l'année dernière. Il n'y a pas de grosse différence. Même dans la réalisation du track en lui-même, hein, il est très similaire. A chaque fois, ils repartent pas de zéro, à mon avis. Ils repartent de la base de l'année d'avant et ils font la modif qu'il y a eu, mais juste la modif qu'il y a eu. Ils touchent un peu la déformation, peut-être, et basta, quoi. Mais après, ça, les tracks sont très bien, donc pourquoi se faire chier à tout refaire alors qu'ils sont vraiment déjà bien. La première version est déjà bien, donc forcément, pas besoin de tout refaire. Allez, on va essayer de se concentrer un peu, de faire un bon tour. Après, hein, comme je disais, hein, le MX, c'est vraiment pas ma spécialité. Encore moins la 125. Mais bon. Je sais qu'à chaque fois que je la sors, ça vous fait plaisir, donc hop. Je la sors de temps en temps. Pour genre d'occasion, ça peut être sympa. Pour lancer la saison. Après, on verra. Je sais même pas si, voilà, s'il y aura des courses en Europe sur ces tracks-là. Je sais que l'année dernière, il n'y a pas eu. En tout cas, pas sur le MF. J'espère que cette année, il y en aura pour que je puisse les faire. Parce que dans tous les cas, je ferai pas le MXSGP. Ça a déjà pas mal commencé. Pour différentes raisons, je préfère ne pas les faire. Donc j'espère qu'il y aura les Hamas, comme ça, je pourrais vous les faire. Et je pourrais faire des petits lives dessus, parce que c'est vrai que bah, depuis la fin de la saison des SX, je vous ai pas refait de live, ou très très peu. Je me prends une petite pause, parce que c'est vrai que j'enchaînais hein, les lives toutes les semaines. Ah non, mais sérieusement. Les lives toutes les semaines, etc. Bah ça prend. C'est l'organisation, hein, y penser. Pendant ce temps-là, je peux pas bosser mes cours, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause en ce moment sur les lives. Vous inquiétez pas, hein, ça va revenir. Hein. Vous pouvez toujours me follow sur Twitch. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de courses que j'ai pu vous faire de live. Je vais vous en faire des petits lives détente, etc. Faut juste que je me réorganise, etc. Que je trouve des trucs à faire. Parce que là, c'était bien en fait. Le fait qu'il y ait les SX Hamas, ça fait que bah, en fait, j'avais pas d'idée de track à chercher, j'ai pas de track à chercher.
je voulais faire un live, boum, j'en sors un live détente sur pour m'entraîner sur le track à main, et voilà, c'était fait quoi. Au moins, j'avais, je trouvais le sujet. Que là, il faut que je trouve des tracks sympas à rouler avec vous, des sujets, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Maintenant que les. C'est vrai que maintenant que l'outdoor sort, pourquoi pas, des petites lives détentes sur l'outdoor, ça pourrait être sympa. Après, comme je disais, hein, je vous ferai pas de vidéo comme style explication de track, comme je faisais sur la SX sur les motocross, parce que tout simplement, je l'ai dit souvent, hein, mais je vais le répéter une dernière fois, comme ça tout le monde sera au courant. C'est que en fait les tracks de motocross c'est beaucoup du feeling par rapport au track et il n'y a pas vraiment de trace idéale, de trajectoire que tout le monde va prendre. C'est vraiment comment vous le sentez en fonction de votre setup, de votre gameplay, il y a plein de critères personnels, ce qui fait qu'en fait que moi une trace que je vais adorer, ça se trouve vous allez la détester, vous allez être deux fois rapide avec une autre trace, donc vous allez me dire c'est de la merde MX West, c'est bien plus rapide ce passage là, alors que oui c'est plus rapide pour vous, mais pas pour moi. Donc bah, c'est pour ça que j'en fais pas sur les motocross en général. De toute façon, le track est déjà extrêmement long, alors si je vous détaille chaque ornière, chaque passage, en chaque virage, on y est pour 4 heures, à mon avis, facilement. Donc voilà, un petit track training, je pense que ça peut... Un petit vidéo training. Track training. Petite vidéo training, ça peut largement suffire, je pense, pour découvrir ces petits tracks de cette année, 2017. Ils sont, il est vraiment sympa, Huntington. Après, c'est pas mon préféré de l'année, hein. Vous connaissez mon petit péché mignon pour Milleville. Track qui est pourtant le plus défoncé souvent de l'année, mais qui est tellement bien défoncé que bah ça roule tout seul dessus et c'est super agréable de rouler sur Milleville. Je trouve, moi en tout cas, moi j'arrive vraiment bien à rouler dessus. Je peux ultra rapide, hein, mais je me fais vraiment plaisir sur Milleville tous les ans et c'est vrai que c'est toujours un pied de rouler dessus parce qu'il est défoncé, mais vous roulez tellement à bloc dedans que ça passe nickel et c'est ça qui est vraiment kiffant sur les Hamas que je retrouve pas tellement sur la MXGP. Même si là j'étais chez essayé Touch and Tal et c'est vrai que j'étais agréablement surpris, je roulais vraiment bien dessus. Après, il est vachement étroit, etc. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous voulez une vidéo dessus. Ça pourrait être sympa. Que je vous fasse en parallèle les deux championnats. Après, ça fera pas mal de vidéos quoi, dans la semaine. Bon, pourquoi pas? Why not? Hop. Là, on passe doucement. Yes, nickel. Et ça, faut vraiment pas vouloir rouler trop vite, prendre son temps et vous allez réussir à enchaîner les tours sans trop de soucis normalement. Ah, j'aurais fait avec un gros moteur, j'ai dit ouais, elle va tirer, mais non, forcément, je piquais de l'avant. Ça, le désavantage de la 125, hein, c'est souvent quand vous ratez un virage, vous manquez de reprise derrière pour pouvoir bien enchaîner. Et vu que j'ai pas le réflexe de jouer avec l'embrayage, hein, donc forcément, ça galère un peu plus. Olé, ça passe, nickel. On a rien vu, on repart, ni vu ni connu. Le petit front flip au calme. Après, ouais. On sent vraiment que le track a pas été fait pour les 125, ce qui est normal, hein. Il est fait pour les plus gros cylindrés. Du coup. Après, un très bon pilote 125 va très bien s'en sortir dessus, hein, mais moi, vu que je suis un pilote occasionnel de la 125, bah je galère un peu. Ce qui est normal, hein, heureusement. Mais ouais, un bon pilote 125 va. Je pense qu'il peut s'amuser sur ce track, il y a vraiment moyen de s'amuser. Des limites d'être tout le temps à fond et juste de jouer sur les freins moteurs. Après forcément on fait pas des gros jumps à mon avis, avec le 450 on s'envole. Le freinage va être galère par contre derrière. Et on doit tellement s'envoler. Je pique un peu de l'avant, faudrait que je mette du gaz à chaque fois dans les derniers trous. Je lâche complètement tout donc forcément je pique de l'avant. Mais je pense qu'en mettant un peu de gaz ça doit mieux passer. Ah non, ça glisse. Il manque un peu d'angle, le setup peut-être que je faudra que j'augmente mon roll limit angle. À voir, à régler en fonction des tracks, etc. Toujours faire des petites modifs. Et pour ceux qui me demandent quel setup j'ai, hein, toujours le même que je vous ai posté il y a pas mal de temps sur YouTube. Hein, c'est toujours ce même setup, pareil pour le setup de SIC. J'ai pas changé de setup, donc... petite recherche et vous allez voir que c'est le même. Ou au pire, souvent je le montre en live, donc vous pourrez le trouver sur mes live. Sur mes rediffusions sur Allway Gamer, simplement. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà pas mal vu le track, on a fait 3 petits tours. Il y a déjà moyen de bien comprendre, après il n'y a pas une grosse différence par rapport aux années d'avant, donc forcément. C'est juste rouler pour s'entraîner un peu en MX, c'est vrai qu'il faut que je réchauffe un peu en MX, histoire que j'arrive à faire des bons tours. C'est vrai que la 256 c'est pas terrible. Après j'ai la 125, donc forcément est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je ne sais pas. Je fais beaucoup d'erreurs, je pense qu'il y a clairement moyen de descendre. Mais bon, comme vous savez, je ne suis pas une référence en MX. Ah, trop tôt. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette chute. De toute façon, à chaque fois, je m'arrête sur une chute. Ça fait un bon break. De toute façon, ça fait à peu près 10 minutes. 9 minutes 45, exactement. Donc voilà.
J'espère que cette petite découverte de Huntington, round 1 de ce championnat motocross US, championnat outdoor, vous aura plu. Et bah du coup, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ça se trouve peut-être le round 2, je sais pas encore comment ils vont sortir. On n'a vraiment pas énormément d'informations sur ce track. Je sais que l'année dernière, ils étaient sortis super en retard. Et on devait payer si on les voulait en avance, etc. Donc c'était assez compliqué. Je sais pas du tout comment ça se passe cette année. Je me suis pas renseigné sur le topic de Race Factory. Il faudrait que j'aille voir. Je vous tiendrai au courant de toute façon, vous inquiétez pas. Et voilà. Moi je vous laisse. On se jeudi soir, c'était Mixway. Riding Peace.